بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors hier, le thème d'hier c'était sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs. Alors avant de commencer le cours d'aujourd'hui, j'aimerais poser une question à un jeune. Ici, il répond correctement, il va gagner cette traduction. Là, ils tournent tous leur tête, là. Non, mais c'est vous, donc je vais interroger. Vous étiez là, hier. Alors, qui est capable de me citer 10 noms d'Allah de sa mémoire sans se tromper? Là, vous êtes 5, là. Qui est volontaire? Et tu gagnes, ça. T'es cap ou pas? T'as honte? Alors, toi, t'étais là hier, je t'ai vu. Toi, dis-nous. Non? Alors, vas-y, toi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ما شاء الله الله يبارك الى قدي ما شاء الله جزاك الله خير بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله donc aujourd'hui باذن الله on va parler d'un hadith rapporté par l'imam muslim dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم dit ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. Allah subhanahu wa ta'ala aime le serviteur pieux, indépendant et discret. Ce hadith nous fait savoir une catégorie de gens qui sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et savoir que nous sommes aimés par Allah Azza wa Jal constitue pour nous croyants le sommet de notre quête spirituelle. Et c'est pourquoi toute notre vie, nous sommes censés maintenir notre concentration sur cet objectif. Rechercher l'amour d'Allah. C'est le stade spirituel le plus spécial et le plus haut, qu'un homme peut atteindre, c'est d'être aimé par Allah. وَلَيْسَ شَأْنُ أَنْ تُحِبَّ اللَّهِ وَإِنَّمَا شَأْنَ أَنْ يُحِبَّكَ اللَّهِ comme disaient les pieux. Et le plus important, c'est pas de savoir est-ce que toi tu aimes Allah, le plus important, c'est de savoir est-ce que Allah il t'aime. Elle est là, la vraie considération. Et donc ici, le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Allah azza wa jal, il aime cet individu qui possède ses qualités. Et on va essayer ensemble de voir justement et de réfléchir sur la réalité de ses vertus. Tout d'abord, le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam, il dit « Inna Allaha yuhibbu al-abda at-taqi » Il aime le serviteur pieux. Et la notion de la taqwa est une notion qui revient très très souvent dans le Coran. Combien de fois nous lisons « Inna al-muttaqina fi jannatin wa uyun »« Inna al-muttaqina fi jannatin wa na'im »« Inna lil-muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba » Allah Azza wa Jal, il aime ceux qui ont la taqwa. Et d'ailleurs, la taqwa, c'est l'injonction que le prophète sallam a donnée aux sahaba. Ittaqillah haythama kunt, crains Allah où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action par la bonne, celle-ci l'effacera. Et comporte-toi avec les gens de la meilleure manière. Mais cette taqwa, bien évidemment, elle a des degrés. Tout comme la foi a des niveaux et des degrés. Je vois que c'est ça. Je vois que c'est ça.
قال لي الشيخ اديه للشيخ نبيلي ان شاء الله قال لك اللي كونفرتي في سانكول بس هذا الباب باش يدير الشهاده جيبو معايا دوك هنا خير ان شاء الله كي با برونسي لا شهاده ان شاء الله. السلام عليكم اخي ان شاء الله الحمد لله تو تشوا devant ان شاء الله تي فرير prononcer donc ça va la shahada, j'atteste qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée hormis Allah, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Tu peux aller voir le frère. Donc cette taqwa, comme je l'ai dit, elle est composée de degrés, de niveaux. Le premier niveau de la taqwa, c'est la taqwa qui te préserve de la mécréance, du kufr. Et ça, c'est le niveau de l'islam. Celui qui n'a pas ce niveau de taqwa, ce n'est pas un musulman, ce n'est pas un croyant. On a un deuxième niveau de taqwa, encore plus élevé. C'est la taqwa qui te permet d'abandonner les péchés, de délaisser les péchés. Et ça, ce degré-là, on appelle le degré du repentir, on a parlé avant-hier. Mais il y a des gens, subhanallah, Allah, il leur permet d'aller encore plus loin. Ils ont un niveau de taqwa qui leur permet de s'éloigner des choses douteuses, des ambiguïtés. Et ça, on appelle le degré du scrupule, al-wara. Ça, il y avait des pieux qui avaient tellement un scrupule que, subhanallah, pour éviter le haram, ils faisaient des choses qui pourraient nous étonner. Par exemple, Abu Hanif, à son époque, dans son village, ils ont volé un mouton. Il s'est renseigné auprès de ceux qui ont la connaissance. Il leur dit, d'après vous, il faudrait combien de temps pour que ce mouton soit sacrifié et consommé? Ils l'ont dit 5-6 mois. Pendant 5-6 mois, il n'a pas mangé de mouton. De peur que celui qui l'invite, voilà, celui qui lui donne le plat, c'était lui le coupable de vol. On appelle ça le wara. Et ça, c'est un degré extrêmement élevé. Il y a le quatrième degré de taqwa. C'est un yattaqi al-mubahat. Regardez, cet individu-là, non seulement il s'est éloigné de la mécréance, il s'est éloigné des péchés, il s'est éloigné des ambiguïtés. Qu'est-ce qui reste? Il s'éloigne des choses permises, yattaqi al-mubahat. Il s'écarte de tout ce qui peut lui faire perdre son temps. Même si ce n'est pas interdit. Même si ce n'est pas interdit. Il a tellement un niveau de taqwa élevé qu'il s'interdit certaines pratiques et certaines choses car il les considère comme une perte de temps. Et après, le cinquième degré de taqwa que cite justement Ibn Juzzi dans son tafsir du Coran et notamment dans le Baqara lorsqu'il explique le verset « Dhalika al-kitab wa la rayba fihi huda lil-muttaqin » c'est à ce moment-là Ibn Juzzi il cite ces cinq catégories. Le cinquième degré, il dit, je dis, « An yattaqi hudura ghayrillah ala qalbi » qu'il écarte la présence de tout autre qu'Allah dans son cœur. Ça, c'est le niveau, c'est le summum de la taqwa. Il préserve son corps, il préserve son cœur de la présence de tout ce qui est autre qu'Allah. Il est absorbé complètement par la présence divine, par le rappel d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, quand on dit quelqu'un qui a la taqwa, tous les musulmans ils ont la taqwa. Sinon ce ne serait pas des musulmans. Mais comme on vient de le voir, il y a des niveaux de taqwa. Inna Allah yuhibbu al-abda al-taqi.
Et cette taqwa, c'est le secret de la réussite dans Dunya et dans l'Akhira. Celui qui a la taqwa, à chaque fois qu'un problème tombe sur lui, il va vite se résoudre. Vous savez pourquoi? Parce qu'Allah a dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Vous savez, celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable. C'est ce qu'il dit le verset. Est-ce que vous savez ce verset et dans quelle sourate? Sourate, le divorce, une sourate qui fait 13 versets, 5 fois Allah leur donne la taqwa. Yani, quelqu'un qui lit cette sourate-là, quelqu'un qui est concerné par cette épreuve-là, il voit l'avenir flou. Ben, il a 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, il a des enfants, il a tout son argent, tous ses efforts. Il a tout misé sur sa famille. Et il apprend que quoi? Que tout s'écroule. Depuis 20 ans. Depuis 25 ans, 30 ans. Et voilà qu'une affaire, voilà qu'une épreuve, voilà qu'une situation fait que quoi? Que son foyer, subhanallah, le lieu de sa résidence, le lieu qui est censé être l'endroit du repos, Wallahu ja'ala kum al-buyut sakana, s'écroule. Bah quand il lit cette sourate-là, Allah dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. C'est lui qui craint Allah. Il doit le craindre dans tout, et notamment dans sa manière de divorcer. Comme Allah lui a ordonné, il n'est pas injuste, il prononce qu'une seule fois, il ne divorce pas alors qu'elle a fait monstrueux, il ne divorce pas alors qu'hier il a eu des rapports avec elle. Qui aujourd'hui respecte ces choses-là parmi les musulmans? Il divorce, après il se renseigne. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Donc c'est lui qui a la taqwa dans tout ce qu'il fait. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il lui accorde sa pourvoyance par des voies dont il ne s'attendait même pas. Al-Muttaqi, c'est un allié d'Allah. C'est qui les alliés d'Allah? C'est qui les rapprochés d'Allah? Awliya'ullah, c'est qui? Ala inna awliya'Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. C'est eux les rapprochés d'Allah, les proches d'Allah. Alladhina amanu, ceux qui avaient la foi, wa kanu yattaqun, et qui pratiquaient la piété. Lahumul bushra fil hayati dunya. Ils auront la belle annonce dans la dunya. Certains ulama, ils ont dit, la belle annonce dans la dunya, c'est les rêves qu'ils vont voir. Ou que les gens pieux, ils vont voir des rêves agréables en leur faveur. Wafil akhira. Donc, cette notion de taqwa, on la travaille, on la cultive tout au long de notre vie. Nous recherchons constamment la taqwa. Et quand quelqu'un, il me dit « Ittaqillah », je le prends pas mal, comme aujourd'hui, certains on le voit, quand tu dis « Ittaqillah », il te dit toi-même. Ou « Pourquoi tu me dis ça ?» Subhanallah. Quelqu'un te dit « Ittaqillah », tu dis « Allah ». On dirait les gens, tu les as insultés quand tu lui dis « Ittaqillah ». Wallah, c'est grave. Tu dis « Ittaqillah », il voulait « Pourquoi tu me dis ça ?» Subhanallah. Allah, il dit à son prophète « Ya ayyuhan nabi, ittaqillah, wa la tuti'il kafirin ». Et taqillah, tout le monde a besoin de ce conseil-là. Même si tu as la taqwa de la manière la plus parfaite, quand je dis taqillah, ça veut dire demeure sur la taqwa. Comme ici, dans le verset, quand Allah dit son prophète, et taqillah, mais c'est mikra Allah, mais ça veut dire demeure. Demeure sur cette voie. Jusqu'à la fin. N'Allah yuhibbu l'abd al-taqi. Hier, ou je ne sais pas, avant-hier, je vous ai parlé d'Ibn Mubarak. Abdullah Ibn Mubarak. Ce pieux, cet homme de qualité. Et c'est intéressant quand on parle de la taqwa, quand on parle de la patience, quand on parle de ces vertus-là. C'est très très important et très très intéressant et très très éclairant et enrichissant d'observer des modèles concrets. Des modèles réels. C'est pourquoi les ulama aimaient énormément
consacrer du temps aux biographies des prophètes, aux biographies des savants, aux biographies des pieux. C'est une science qui n'est pas négligée chez les ulamas. Quand on parle des sciences en général, on les classe en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle ulum raya. Il y a ce qu'on appelle ulum ala. Il y a ce qu'on appelle al-mulah. Ulum al-raya, c'est les sciences essentielles. Comme étudier la aqidah, étudier le fiqh, étudier le hadith. On appelle ces sciences-là des sciences essentielles. Ulum raya. Elles sont essentielles. Elles sont obligatoires à connaître. Il y a un niveau qui est obligatoire pour chaque musulman. Et d'autres niveaux qui sont recommandés. Et dont les étudiants, les savants recherchent. Il y a ce qu'on appelle ulum ala, des sciences accessoires. Ça, c'est des sciences qui te permettent de bien comprendre et de bien appréhender les sciences essentielles. Comme par exemple la langue arabe. Usul al-fiqh, les fondements du fiqh. C'est une science importante pour comprendre le fiqh. Usul al-hadith. On les appelle ulum ala, des sciences accessoires, des sciences outils. Tu vois. Il y a ce qu'on appelle al-mulah. On appelle ça des sciences récréatives. Et ces sciences-là, c'est celles justement qui te permettent de connaître la biographie des anciens. De connaître le parcours de ceux qui ont incarné des valeurs telles que la taqwa, la patience, la reconnaissance, la modestie, d'une manière pragmatique. Quand on a dit à Aïcha... On lui a posé la question sur le comportement du prophète. Elle a dit Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était une copie conforme au Coran. Et ça, c'est une chance qui est importante pour nous. D'ailleurs, même dans le Fatiha, Allah Azza wa Jal nous appelle à nous renseigner sur le parcours de ces gens nobles. Quand on dit Ihdina sirata al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Donc normalement, quand tu parles tous les jours tu mentionnes ces gens que Allah il a comblés de ses faveurs, normalement tu dois te poser la question suivante. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur ces gens-là. J'aimerais bien connaître leurs détails, comment ils priaient, comment ils jeûnaient, comment ils faisaient sadaqa, comment ils se comportaient avec leurs femmes, leurs enfants, leurs voisins. Quand ils tombaient malades, comment ils se comportaient, comment ils faisaient des dua. Parce que moi, j'aimerais bien être comme eux. Tu vois. Donc là, on va essayer de citer quelques exemples, justement, de ces gens que Allah Azza wa Jal a accordé la taqwa, la piété. On va commencer par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et quand on parle de taqwa, donc taqwa c'est quoi? Taqwa c'est la crainte d'Allah, c'est la crainte révérentielle. La meilleure définition qui a été donnée de la taqwa selon les savants, c'est celle de Talq ibn Habib, qui est un tabi'i, quelqu'un qui a appris sa science chez les compagnons, qui a côtoyé les compagnons. Un jour, il y avait de la fitna à son époque, et souvent les gens, quand ils lui demandaient conseil, comment on fait pour se protéger de la discorde, de la fitna, il leur dit, faites preuve de taqwa. Ils ont dit, mais tout le temps tu nous parles de taqwa, donne-nous une définition de la taqwa. Et là, il a donné une définition selon Ibn Taymiyyah, selon Wahhabi, selon plein de... Pour eux, c'est la définition la plus complète de la taqwa. Il a dit, taqwa Allah, an ta'amala bi ta'ati Allah. C'est que tu accomplis l'obéissance d'Allah. Ala nourin min Allah, avec une lumière qui vient d'Allah. Tarju thawab Allah, tout en espérant la récompense d'Allah. Wa anta taruka ma'siyata Allah, et que tu délaisses, que tu abandonnes la désobéissance à Allah. Ala nourin min Allah, avec une lumière qui vient d'Allah. Ma khafata 'iqabillah, tout en craignant le châtiment d'Allah. Donc non seulement la taqwa c'est une action, mais pas de n'importe quelle manière. Non, une taqwa, une action qui provient d'une lumière venant d'Allah. C'est-à-dire d'une science. Et tout en espérant la récompense d'Allah. Et de délaisser la désobéissance avec une lumière venant d'Allah. C'est pour ça que les ulama, ils ont écrit des livres sur les péchés. Wahhabi, il a écrit Al-Kaba'ir, les grands péchés. Pourquoi? Pourquoi il cite les péchés?
C'est pour que tu apprennes que ces choses-là, c'est des péchés et c'est grave. Et ça nuit à ta foi, ça abîme ta foi. Et donc, regardez le niveau de taqwa qu'avait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on comprenne justement, comme ils ont dit les ulama, l'endroit le plus vaste, le plus beau, le plus épanoui, c'est la poitrine de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, on a parlé hier des noms d'Allah, on a parlé de la vie du cœur. Imagine un peu comment devait être la cœur du bien-aimé alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud disait, Allah regardait dans les cœurs de tous les hommes. Il n'y avait pas un cœur plus bon que celui de Muhammad, il l'a choisi comme prophète et comme messager. Je vais juste citer un seul exemple. Un hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. Il rapporte qu'un jour, Nabi sallallahu tadawwara dhata layla, yani jazi'a wa sahira. Il a été touché d'une insomnie. Une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne trouvait pas le sommeil. Alayhi salatu wa sallam. Jazi'a wa sahira. Faqila lahu fi dhalik. Les sahaba lui demandent, ya Rasulullah, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, alayhi salatu wa sallam, inni wajadtu tamratan saqita. J'ai trouvé une date qui est tombée. Fa'akaltuha, que j'ai mangé. Puis je me suis rappelé d'une quantité de dattes que j'avais qui provenait de la sadaqa. Vous savez que Allah, il a interdit au prophète sallam de manger de la sadaqa. Il a interdit la sadaqa au Nabi sallam ainsi qu'à sa famille, sa descendance. Donc il dit, je me suis rappelé que j'avais une quantité de dattes qui provenait de la sadaqa. فَمَا أَدْرِي أَمِنْ ذَلِكَ كَانَتِ التَّمْرَ أَمْ مِنْ تَمْرِ أَهْلِي ذَلِكَ الَّذِي أَسْهَرَنِي. Et je ne sais pas, est-ce que cette date que j'ai mangée, elle provient du sac de la sadaqa, ou est-ce que c'est une date qui provient de ma famille? C'est ça qui m'a provoqué l'insomnie. Et c'est ainsi, cette attitude qui a été irrité par ses proches et par ses compagnons, par ses élèves. On connaît tous l'histoire d'Abu Bakr dans le Bukhari, lorsque son servant un jour lui a ramené de la nourriture, et quand il l'a fini, quand il l'a mangé, il lui a dit, tu sais comment j'ai gagné cette... Il lui dit comment? Il lui dit, j'ai arnaqué. J'ai escroqué une personne en lui faisant croire que... Il l'a arnaqué, il lui a pris un peu d'argent. Et j'ai acheté cette nourriture-là. Dès qu'Abu Bakr il a entendu cela, il a introduit sa main dans sa bouche. Et il a tout vomi. Il a dit, Wallah, si je devais retirer mon âme pour retirer cette nourriture, je l'aurais fait. Il ne veut pas manger le haram. Il dit, j'ai entendu aussi, il me dit, Ayyuma jasadin nabata min suhtin fannaru awlabe. Il ne voulait pas se nourrir de haram. Regarde les niveaux de taqwa. Donc, c'est intéressant de voir le parcours, justement, des gens pieux, mes frères et mes sœurs. Le parcours de ces gens pieux. Comment, durant sa vie, comment, durant leur vie, ils se sont accomplis. Ils se sont réalisés. Ils ont tiré profit des opportunités que Allah Azza wa Jal nous donne. Parce que Allah Azza wa Jal nous donne énormément d'opportunités. مَا مِنْ دَا إِلَّا وَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ دَوَى. Toute maladie, Allah Azza wa Jal lui a créé un remède, sauf une seule qui est la mort, rapportée par le Bukhari. Ibn Hajar dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas une maladie sans que Allah Azza wa Jal ne lui a créé un remède, Ibn Hajar dit, ça concerne les maladies spirituelles tout comme les maladies physiques. C'est-à-dire, quelle que soit ta maladie, que tu sois touché par une maladie qui touche ton cœur, tu es touché par la dureté des cœurs. T'es touché par l'orgueil, par l'insouciance, par la paresse, par l'hypocrisie, par la jalousie, par l'avarice. Ou qu'une maladie, elle touche ton corps. Tu ne dois jamais perdre espoir. T'es tout le temps en train de chercher la solution parce que tu as la conviction que la solution, elle existe. Et Allah, il veut te voir comme ça tout le temps, optimiste. Quand il dit « Muhibbu al-fa'l wa yakrahu al-tiyara »
Le prophète aimait l'optimisme et il détestait le pessimisme. Allah, il voit nos cœurs. Et Allah, il regarde nos cœurs. Le cœur est un endroit très regardé par Allah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Allah ne regarde pas vos images ni vos corps, walakin yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Mais il regarde vos cœurs et vos actions. Il regarde vos cœurs. Allah regarde ton cœur. Et notamment pendant les épreuves, notamment pendant que tu as mal, notamment pendant les souffrances, Allah regarde ton cœur. Et oui, c'est ça. Allah regarde ton cœur. Imaginez si on était tout le temps habité par ce sentiment. Allah regarde mon cœur. Avant même de parler de mes paroles, de mes yeux, de mes mains, Allah regarde mon cœur. Tu sais, les savants, quand ils parlent de comment le musulman il doit discipliner son cœur, il te dit que quand tu reçois un bienfait, Allah il t'a gratifié d'un bienfait. Ils ont dit, efforce-toi tout le temps à regarder le bienfaiteur et ne pas rester prisonnier par le bienfait que tu vois. Parce que parfois, le bienfait, il peut se transformer en objet de torture. Toi, tu le vois comme un bienfait. Tu as eu la voiture de tes rêves. Tu as eu la maison de tes rêves. Ben, au lieu que ce bienfait reste et demeure comme bienfait, et ben, ce bienfait se transforme en un objet de torture. Il achète une belle voiture. Subhanallah. Il n'arrive plus à dormir. Toutes les 5 minutes, il regarde par la fenêtre, est-ce qu'ils l'ont volé ou ils ne l'ont pas volé. Ils l'ont rayé ou ils ne l'ont pas rayé. Ses enfants et sa femme, ils vivent le calvaire. À chaque fois que son fils il ouvre la porte, il commence à crier doucement. Il rend la vie de sa famille insupportable. Et son cœur, il est complètement omnibulé par cette voiture. Il pense qu'à ça, qu'à la voiture, à la voiture, à la voiture, à la voiture. Il devient fou. Et il est prêt à planter quelqu'un, à tuer une âme que Allah Azzawajal l'a rendue sacrée. Pourquoi? Parce qu'il a rayé ou il a cassé sa voiture. Ça, c'est des cas qui existent, ça. Donc, il te dit que quand tu reçois un bienfait, efforce-toi toujours de regarder le bienfaiteur. C'est le bienfaiteur qui l'a donné. Comme ça, ça te permettra de rester toujours éveillé, de ne pas tomber dans l'insouciance, de ne pas rester prisonnier de cet objet matériel et de voir le bienfaiteur pour le remercier, pour en faire un bon usage. Ils ont dit aussi, comme ça, lorsque tu seras éprouvé, tu vas continuer dans la même démarche. Parce que pendant l'épreuve, le croyant ne doit pas regarder et rester fixé. Et le croyant ne doit pas fixer l'épreuve, mais doit regarder celui qui éprouve. Parce que si pendant l'épreuve, tu regardes seulement l'épreuve, tu vas accroître ta souffrance. Tu vas te faire beaucoup de mal. Par contre, si tu t'efforces pendant l'épreuve de regarder et d'observer et de méditer à propos de celui qui t'a éprouvé, à ce moment-là, ce rappel va procurer chez toi un soulagement. Parce que tu sais pertinemment que si Allah te fait vivre cette situation, c'est que certainement il y a du bien, il y a des leçons, il y a une progression à voir. Et tu sais très bien que Allah Azza wa Jal est tellement miséricordieux que cette épreuve sera de courte durée. Et elle ne va jamais durer. Inna ba'da al-usri yusra. Inna ba'da al-usri yusra. Certes, après la difficulté, il y a la facilité. Donc, regardons les exemples de ceux qui ont réalisé la taqwa. Je parlais d'Ibn Mubarak. Ibn Mubarak, Hassan ibn Ali, c'était son servant. C'était son domestique. Et Zahabi rapporte ce propos. Il dit, un jour, un groupe de gens se sont rassemblés. Jtama'a jama'a. Faqalu ta'alu na'uddu khisala ibn Mubarak. Venez, on essaye de d'énumérer les qualités d'Ibn Mubarak. Les gens qui le côtoient, qui le connaissent, viens, on parle de ses qualités. Ils ont dit l'ilm, la science. C'est un ilm, un savant, il a créé des livres très bénéfiques, Ibn Mubarak. Al-fiqh, al-adab, al-nahw, la grammaire, l'ura, al-zuhd, l'ascétisme, al-fasaha, l'éloquence, al-shi'r, la poésie, qiyam al-layl, l'ibada, l'adoration, al-furusiyya, l'équitation, al-quwa, la force, tark al-kalam, fima la ya'ni, il ne parlait jamais des choses qui ne le regardaient pas. Al-insaf,
قله الخلاف على الاصحاب c'était aussi un commerçant qui était riche et disait laoula thalath lama rakabtu al-bahr s'il n'y avait pas trois personnes j'aurais pas pris le bateau parce qu'il prenait en charge des savants de son époque il leur dit écoutez vous vous occupez de rien d'autre que du ilm et enseigner les gens je m'occupe de votre salaire هذا ابن مبارك هذا ابن مبارك regardez un homme qui s'appelle Al-Qasim ibn Muhammad, il a dit quoi? Il a dit « Kunna nusafiru ma'a ibn al-Mubarak ». On voyageait souvent avec lui. Il dit « Wa kathiran ma yakhturu bi bali bi ayyi shay'in fuddila hadha ar-rajul ». Il dit « À chaque fois, quelque chose traverse mon esprit. Qu'est-ce que cet homme a fait pour avoir tant de mérite ? Qu'est-ce qu'il a fait ?« In kana la yusalli, inna la nusalli ». S'il prie, nous aussi nous prions. S'il jeûne, nous aussi nous jeûnons. S'il fait le hajj, nous aussi on fait le hajj. Il dit un jour, durant un voyage, alors qu'on se dirigeait vers le pays de Shem, on a fait une halte. On a allumé les bougies, etc. Il dit, et d'un coup, la lumière s'est éteinte. Alors on s'est précipité pour l'allumer de nouveau. Et quand elle fut allumée, il a dit, j'ai aperçu Ibn Mubarak en train de pleurer. Il a tellement pleuré que sa barbe fut mouillée. Tu vois. On dit, mais pourquoi tu pleures, Ibn Mubarak? Il n'y a rien de grave, c'est bon. Il leur dit non. Et il leur dit, cette scène, elle m'a fait penser à l'obscurité qui nous attend lorsqu'on sera introduit dans nos tombes. Il a dit, j'ai compris que cet homme, en fait, قلبه معلق بالآخرة. Son cœur, il est attaché à l'au-delà. قَلْبُهُ مُعَلَّقْ بِالْآخِرَةِ Et c'est là où réside le secret de la réussite, tu vois. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِي Allah, il aime le serviteur. Écoutez bien, il est pieux, donc il est d'un niveau de piété élevé. Et en même temps, regardez, il est khafi, il est discret. Il est anonyme, il ne cherche pas à se faire remarquer. Et la discrétion, c'est une vertu cardinale. Quelqu'un qui a beaucoup de qualités, il a beaucoup de mérite, mais en même temps, c'est monsieur tout le monde. Il ne cherche pas à se distinguer. Il ne cherche pas à provoquer les regards vers lui. Il veut toujours la discrétion. Quand il peut faire une bonne action, dans la sphère privée, il le fait. C'est pour ça qu'un savant, il a même fait une conférence entière, il l'a appelé Al-Akhfiya, les discrets. Les gens discrets. Il dit, en lisant ce hadith, en apprenant que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime une catégorie de gens qui s'est caractérisée par la discrétion. Alors je me suis demandé, quelle forme de discrétion ces gens-là ont-ils fait? Est-ce que c'est la discrétion qui les habitaient à l'intérieur de leur cœur? Est-ce qu'ils sont discrets dans le sens où ils font beaucoup de bonnes actions quand ils sont à l'abri des regards? Est-ce qu'ils sont discrets dans le bien qu'ils font parvenir aux autres? Comme faisait Ibn al-Abidin durant son époque, il y avait un homme, tous les soirs, il posait des sacs de nourriture devant la porte des nécessiteux. Jamais ils ont su c'était qui. Le jour de sa mort, quand on a lavé son corps, on a constaté deux traces noires sur son dos. On a su que c'était lui qui portait les sacs. Et cet homme-là ne passait plus pour distribuer la nourriture aux nécessiteux. Des gens discrets. Leur passage sur terre, ils ne cherchent pas à faire du bruit devant les gens, à faire le buzz, comme nous on le voit maintenant. À se faire remarquer, à se faire voir. À être distingué. Non. Des gens complètement discrets. Regardez quelques histoires de la discrétion des pieux. Un savant, il s'appelle Mawardi. Il a écrit plein de livres. Quand il a senti que sa mort s'approchait, il a dit à un de ses élèves, écoute, quand tu me vois en train de partir, si, il a dit, j'ai écrit un certain nombre de livres. Et il lui a dit, voilà où ils sont cachés. Quand tu vois que je suis en train de partir, si tu vois que je serre ta main, je la serre fort. Et bah brûle ces livres-là. Ne les propage pas. C'est que j'ai eu la mauvaise nouvelle. C'est que j'ai le sentiment que Allah n'est pas satisfait de moi. Si par contre tu vois que je tiens pas ta main, alors
propage-les au sein de la création. Donc il dit, lorsque la mort elle est arrivée et qu'il était dans l'agonie, j'ai mis ma main à côté de lui pour voir est-ce qu'il va l'attraper ou est-ce qu'il va, il va me laisser. Il dit, il m'a laissé, alors j'ai propagé ses livres. Regardez l'imam al-Mawardi, qui est très connu. Regardez l'imam Shafi'i, il dit, j'aurais souhaité que les gens prennent ma science sans qu'on m'attribue cette science-là à moi-même, sans que mon nom soit mentionné en fait. Regardez l'imam al-Bukhari. Un homme, il s'appelle Mohammed ibn Mansour. Tous on connaît le Bukhari de Bukhara, ce grand savant. Allah lui a mis la baraka dans son livre, sahih. Il dit, Mohammed Mansour, kunna fi majlisi Abi Abdillah al-Bukhari. On était dans une assise de Bukhari. Il dit, farafa insanun qadat min lihyatihi wa taraha ila al-ard. Un homme, il a pris une fitue qui était dans sa barbe. Il l'a jetée. Il l'a jetée par terre. Il dit, فرأيت البخاري ينظر إليها وينظر إلى الناس. Il voit le Bukhari, il regarde là, le bout de paille là, comme ça, et en même temps il regarde les gens. Il regarde le morceau, il regarde les gens. Il dit, فلما غفل الناس, lorsque les gens étaient distraits, رأيته مد يده, je l'ai vu tendre sa main, il a pris le bout de paille et il l'a caché dans sa manche. Et il a continué son cours jusqu'à la fin, et quand son cours, quand il est sorti de la mosquée, je l'ai vu, il a jeté ce bout de paille par terre. Mais il n'a même pas voulu qu'on voit cette bonne action qu'il a fait. Juste ramasser un bout de paille d'une mosquée, il voulait le faire en cachette, subhanallah al-azim. Imagine du reste, qu'est-ce qu'il faisait chez lui, cet homme-là? C'est pourquoi les ulama, ils ont dit, le croyant, il est content, il se réjouit de ces moments d'intimité comme le pervers se réjouit de ces moments d'intimité. T'as vu le pervers? Quand ses enfants, ils vont dormir chez mamie, il est content parce que dans la soirée, il va regarder des films haram. Il va regarder le haram tranquillement. Ni madame elle est là, ni les enfants ils sont là. Pour lui, c'est l'aubaine. Il réserve, il commande la pizza et il passe la soirée devant la bassesse, devant la perversité, devant la médiocrité, devant des choses que Allah Azza wa Jal n'aime pas, qui mettent Allah en colère. Et bien le vertueux, celui qui est habité par la taqwa, quand il trouve des instants où personne le regarde, il est en mesure de faire des bonnes actions, il court. C'est l'occasion de faire des rak'at longues, personne ne me voit, de faire de longues prosternations. Il voit quelqu'un dans la galère, dans la misère, c'est l'occasion de faire une sadaqa sans que personne ne me voit. Non, même quand Allah, certains, il leur donne ce cadeau-là pour faire une bonne action, il prend son téléphone. Bon les frères, je vais faire un truc, j'ai pas l'habitude, hein, mais c'est parce que voilà, je voudrais transmettre un message pour les gens. Et fait, on a assez fait de choses devant les gens. Essayons de garder des œuvres. Comme il disait, كان السلف كان أحدهم كانوا يستحبون أن يكون بين الرجل وبين ربه خبيئة عمل. Ils aimaient que entre le serviteur et son seigneur, il y ait des secrets, des actions qui sont dans l'anonymat. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui les connaît. Un salaf, il a jeûné pendant plus de 20 ans. Jamais sa femme ne l'a su. Le matin, il prenait son repas et il allait travailler. Mais sur le trajet, il le donnait en sadaqa et il revenait le soir. Jamais elle l'a su qu'il jeûnait. Allah, il aime ces gens-là. Tu veux faire un travail réel sur ta foi? Eh bien, fais preuve de piété dans la discrétion. Regarde, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle de « Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillih, yawma la dhilla illa dhilluh ». Sept personnes, ils seront préservés sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura que l'ombre d'Allah. Et l'ombre ici, c'est l'ombre du trône. L'ulama de l'aqidah dit ici, huwa dhillul arsh, c'est l'ombre du trône d'Allah. Sept personnes, ils seront préservés sous l'ombre. Qui sont ces gens-là? Eh bien, quand vous méditez, quand vous réfléchissez sur la réalité et la description de ces individus, vous allez remarquer un point commun entre eux. C'est quoi? Regardez. Rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Un homme, son cœur, il est attaché aux mosquées. Il a parlé du cœur, hein. Il n'a pas parlé du corps. Cœur, deuxièmement.
Rajulun tasaddaqa sadaqatan biyaminihi fa'akhfaha. Un homme qui a fait une sadaqa avec sa main droite, il l'a tellement dissimulée, il l'a tellement cachée que même sa main gauche ne l'a pas vue. Rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat 'aynah. Un homme qui a mentionné Allah dans la solitude et ses yeux ils ont pleuré dans la solitude. Quatrièmement, un homme qui est convoité par une femme belle et ayant un rang social prestigieux et il lui a dit inni akhafu Allah. Il lui a dit j'ai peur d'Allah. Rajulan tahabba fillah. Deux personnes qui se sont aimées pour Allah. Il t'aime pas parce que tu as de l'argent, parce qu'il n'a rien à faire, il galère. Non, ça, personne ne peut le vérifier ça. Il t'aime pour Allah. Tu vois? Un roi qui est juste. Donc vous voyez bien que ces gens-là, en fait, ils étaient sincères. Il y avait la piété dans leur intimité, dans leur moment de discrétion. Et ça, c'est pour ça que les ulama, ils ont dit que... Parce que en lisant le hadith, justement, de Nabi Hassan, lorsqu'il nous dit les trois premières personnes qui vont être châtiées en enfer. Awwal man tusa'ar bihi an-nar, c'est qui? C'est des gens qui ont manqué à cette vertu cardinale et importante, qui est l'ikhlas. C'est un savant qui... C'est, vous imaginez, la première personne qui va aller en enfer, c'est celui qui a appris le Coran. Et celui qui faisait des sadaqas. Et c'est lui qui a combattu jusqu'à la mort. Et Allah leur dira, qu'avez-vous fait? L'autre, il dit, j'ai appris le Coran, je l'ai enseigné pour toi. On lui dira, tu as menti. Tu as appris pour que les gens disent de toi que tu es un savant, ils l'ont dit. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je n'ai pas laissé une voix sans dépenser. Pour toi, tu as menti. Tu as dépensé pour que les gens disent de toi que tu es un généreux. Là, tu comprends que c'est essentiel de faire ce travail-là. Ce travail d'être sincère. Et parmi les moyens les plus efficaces qui vont t'aider à réaliser la sincérité, c'est de œuvrer dans la discrétion. Parce que le contraire de l'ikhlas, c'est quoi? C'est le riya, c'est l'ostentation. Et si tu demandes par quel moyen je peux savoir si je suis sincère ou pas, c'est quoi le critère qui permet de savoir est-ce que j'ai réalisé l'ikhlas ou pas? Les ulama, ils ont dit le moyen, le critère, c'est istiwa ou a'malil 'abdi fi dhahiri wal batin. Il faut qu'il y ait une concordance. Il faut qu'il y ait une authenticité entre tes actions dans la sphère privée et dans la sphère publique. Il est là le critère en fait. C'est que si tu es authentique, tu es le même que ce soit quand tu es tout seul ou quand tu es devant les gens, ça c'est un signe que tu es quelqu'un de mukhlis. Si par contre ton extérieur, ce qui se voit de toi, ce qu'on voit de toi à l'extérieur, est meilleur que ce qu'il y a réellement à l'intérieur de toi, c'est que tu as mura'i. Tu es quelqu'un qui fait de l'ostentation. Regarde bien. Quelqu'un dont l'extérieur est meilleur que l'intérieur. C'est un mura'i. Quelqu'un dont l'intérieur est le même que l'extérieur. Parfois, tu dis, franchement, ton frère, je suis parti en Umrah avec lui. Mashallah, ouais, franchement, il est comme ça à la maison. J'aime bien dire comme ça, tu vois. Il est comme ça à la maison, tu vois. Ça, c'est des témoignages forts, ça. Son frère, sa sœur, sa petite sœur, elle te dit ça. Ouais, tu sais, il est comme ça à la maison. Il est authentique. T'en as d'autres quand tu lui dis ça, je dis pas la suite, tu vois. Donc, al-mura'i, ça veut dire que ce qui se voit, ce que les gens observent, les gens l'ont trop surestimé. Il n'est pas comme ça. Parce qu'il a beaucoup misé sur l'extériorité. Le mukhlis, il y a une authenticité chez lui. Après, il y a une troisième catégorie. Vous savez, c'est quoi? Ce que les ulama appellent as-sidqu fil ikhlas. C'est la véridicité dans la sincérité. La véridicité dans l'authenticité. Tu vois, il y a la véracité et la véridicité. C'est deux termes. Et bah, celui qui est sadiq dans son ikhlas, c'est quoi? C'est quelqu'un dans son intérieur, dans son intimité, dans son privé, est encore meilleur et encore plus beau que ce qui apparaît de lui. C'est-à-dire que toi, tu le vois et tu sais qu'il a fait des choses bien, mais tu n'as rien vu encore. Ce qu'il dissimule, ce qu'il cache entre lui et son Seigneur est bien plus important, est bien plus grand. Adam, les gens véridiques. As-sadiqoun. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les gens pieux
Les gens qui font preuve de piété et en même temps, c'est des gens qui sont discrets. Ils ne font pas de l'étalage, de l'apparence. Ils cherchent tout le temps à être discrets. Ça ne veut pas dire que des fois, on ne peut pas montrer nos bonnes actions. La règle, c'est qu'on est discret. D'ailleurs, même les textes montrent que les bonnes actions que tu fais dans la discrétion sont meilleures. Comme Allah Azza quand il nous parle de sadaqa, wa in turfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. Yani si vous cachez des aumônes et vous les donnez aux pauvres, c'est meilleur pour vous. Et la meilleure prière qu'on fait, c'est la prière qu'on fait à la maison, sauf les prières obligatoires. Nafila, il vaut mieux la faire à la maison. La prière sera obligatoire. Parce que c'est plus proche pour le taqwa, pour l'ikhlas, etc. Mais il y a des moments où il peut être, comme il dit Ibn Qayyim, des fois il y a de l'ostentation qui est louable. Il y a riya mahmoud, c'est quoi? C'est quand quelqu'un il montre sa bonne action juste pour que quelqu'un fasse comme lui. Mais lui, il est en sécurité, il sait qu'il n'y a pas de risque, il le fait pour Allah Azza wa Jalla, il est à l'abri de ce danger-là. Et en même temps, il sait que s'il montre sa bonne action à son fils, à quelqu'un, etc., ben cette personne-là, elle va l'imiter. Ben là, ils ont dit, c'est bien de le montrer. Comme par exemple, si quelqu'un va faire une sadaqa. S'il l'a fait dans la discrétion, il sait que le pauvre mesquine, il n'y a que lui qui va lui donner. Mais si je la montre devant les gens, ah les frères, je vais lui donner un 10 euros parce qu'il est comme ça. Et que je sais qu'en montrant ma sadaqa, il y en a 20, 30, 100 qui vont faire la même chose. Ben là, ils ont dit dans ce cas-là, effectivement, exhiber sa bonne action devient meilleur. Pourquoi? Parce que ça va inciter les gens à faire le khair. Le muhim. Donc Allah, يحب العبد التقي. Il aime le serviteur pieux. Et il aime, subhanahu wa ta'ala, le serviteur qui est discret. Tu vois, c'est là que tu vois que on peut jamais connaître nous la valeur des gens auprès d'Allah. Parfois, on peut penser que quelqu'un, c'est quelqu'un d'important, c'est une figure, c'est quelqu'un, un acteur de la communauté, alors que auprès d'Allah, il vaut même pas l'aile d'une mouche. Il y a quelqu'un qui est inconnu, hein, et auprès d'Allah Azza wa Jalla, il est bien meilleur que cette personne dont on dit de lui imam ou dont on dit shir, etc. Mais Allah, tu peux pas savoir. Une femme qui nettoyait la mosquée, elle est morte au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement les compagnons, ils ont estimé que c'était pas important de parler d'elle, ils ont même pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont même pas informé, ils l'ont enterré, ils ont même pas informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, le jeune, il voit qu'elle n'est pas là, cette femme. Elle est où, cette femme qui nettoie la mosquée? Il leur dit, elle est où, la femme là qui avait l'habitude de nettoyer la mosquée? Ils lui ont dit, elle est morte. Et il leur dit, mais pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Ils lui ont dit, on ne voulait pas te déranger. Il leur a dit, de l'ouni ala qabriha. Indiquez-moi l'emplacement de sa tombe. Et il est parti devant sa tombe et il a prié de janaza sur elle. Il a fait salat al janaza sur elle. La prière mortuaire sur elle. Regarde, dans le Bukhari, un jour, un Nabi Sallama, il est assis. Il voit un homme passer. Il dit à une personne qui était avec lui, il lui dit, qu'est-ce que tu penses de celui-là? Il lui dit, lui, c'est quelqu'un, s'il demande en mariage, les gens, ils vont accepter. Ici, il intercède en faveur de quelqu'un, on va accepter son intercession. Parce que c'est un homme riche, un homme qui était, il avait une certaine renommée. Quelque temps après, un autre personne y passe. Le prophète lui dit, qu'est-ce que tu penses de lui? Il lui dit, lui, Hariyun in khataba lam yuqbal. S'il demande en mariage, on ne va pas accepter. Ici, il cherche à intercéder en faveur d'autrui, on n'acceptera pas son intercession. Et il a dit, alayhi sallam, il a dit, et pourtant, il a dit à ce compagnon, et pourtant, aux yeux d'Allah, un seul homme de ce type a plus de valeur que la terre entière remplie d'hommes de l'autre type. Il faut que je le recommence, ce hadith. Et pourtant, aux yeux d'Allah, un seul homme de ce type a plus de valeur que la terre entière remplie d'hommes de l'autre type. Inna akramakum indallahi atqakum. Et le Rasoul, ça lui dit at-taqwaha huna, at-taqwaha huna. Mais t'as vu, nous on est tout en train de dire ouais, mais le cœur, c'est le cœur. Mais nous, quand on dit ça, c'est pour dire vraiment que ne me critique pas, regarde pas les péchés que je fais. Tu sais, c'est pour se donner bonne image, tu vois. Oui, on parle tous, illa man rahim Allah. Mais en réalité, wallah, celui qui connaît les cœurs, c'est Allah Azza wa Jalla. Parce que comme Ibn Taymiyyah, il dit souvent, il dit les gens qui ne font pas le travail de purification de nefs, ils sont manipulés par leur propre nefs. Yani tellement, il n'a pas recherché l'éducation de son nefs,
que son nefs, elle le manipule. Elle lui fait croire qu'il est généreux alors que c'est le plus crevard des crevards. Elle lui fait croire que c'est un sincère alors que c'est un hypocrite. Elle lui fait croire que c'est quelqu'un de bien alors que c'est quelqu'un de mauvais. Il est manipulé par son ego. Allah, il ne se connaît même pas. Il est trompé par sa personne. Il est, parce qu'il est tellement arrogant, tellement narcissique, tellement admiratif de sa personne, qu'il ne voit même pas ses failles, ses vices. Et ça, wallah, c'est très dangereux, ça. Et pour moi, c'est important de faire tarbiya. Et là, je termine par Al-Ghani. Allah, il aime le serviteur pieux, le serviteur discret, et il aime le serviteur riche. Ça veut dire quoi, le serviteur riche? Ça veut dire celui qui se suffit de ce qu'il a. Allah, il aime les gens, mes frères. Ils ont dans leur cœur, ils ont le qana'a. Il a le contentement. هِيَ الْقَنَاعَةُ لَا تَرْضَى بِهَا بَدَلًا فِيهَا النَّعِيمُ وَفِيهَا رَاحَةُ الْجَسَدِ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. Quand Allah il déverse en toi cette qualité qu'on appelle le contentement, tu te contentes du bien qu'Allah t'a donné, tu seras l'homme le plus riche, tu seras épanoui. Et tu vas consacrer ta vie à faire ce qui est bénéfique pour toi, au lieu de perdre ton temps à te lamenter de ce que tu as. Quelqu'un qui perd la qana'a, Allah lui donne une femme, il est marié, il a une femme que des millions d'hommes rêveraient d'avoir. Et lui, il est en train de cracher sur les bienfaits. Tous les jours, il est en train de regarder les femmes dehors, il est en train de faire des comparaisons, de dire « Ah, mais pourquoi ma femme, elle n'est pas comme ça ?» Jusqu'à qu'il arrive à même à un stade où il commet même zina. Allah lui donne le halal à la maison et lui il va se salir. Il va chercher la souillure à l'extérieur alors qu'il a la pureté, il a l'ibada, il a le hasanat dans son foyer. Et tu te demandes, mais c'est quoi la différence entre ce qu'il y a chez toi et ce qu'il y a dehors? Mais quand quelqu'un devient aveugle, wallah, tu sais quoi? Aujourd'hui j'ai lu un athar, c'est la première fois que je le lis, wallah, il est impressionnant. Il est rapporté par Abu Nu'aym de Hidl Awliya. De Wahb ibn al-Munabbah. Wahb, c'est un salaf. Tu sais qu'est-ce qu'il dit? Il dit Man ja'ala shahwatahu tahta qadami. Celui qui place ses désirs en dessous de ses pieds. Shaitan n'osera même pas se rapprocher de son ombre. C'est pas. Il va pas oser se rapprocher de lui. Il dit celui qui place ses désirs sous ses pieds. Il y a une idée que son nefs, elle commence à être capricieuse, à vouloir voir l'herbe est plus verte ailleurs. Hein? Et hadith shahwa, ce désir-là, ce désir qui est d'ailleurs interminable hein, si tu lui donnes carte blanche, celui qui le place sous ses pieds, il dit « Shaitan n'osera même pas se rapprocher de son ombre ». Quelqu'un qui n'a pas le qana'a, wallah, il sera assoiffé toute sa vie. Il a beau avoir ce qu'il veut, comme il a dit Nabi Sallama, si on donne au fils d'Adam une vallée de richesse, il en vaudra une deuxième. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمْ إِلَّا التُّرَابِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ تَابْ. Donc le musulman est quelqu'un qui cherche à se contenter, qui se contente de ce qu'il a. Et c'est quelqu'un notamment, il y en a, comment ils ont traduit Al-Ghani? Ils ont dit celui qui se suffit de ce qu'il a et donc il ne va pas tendre la main. Parce que vous savez, l'islam, il a blâmé la mendicité. Tous les prophètes étaient des gens qui avaient des métiers. La chose la plus licite que l'homme ait à manger, c'est le travail manuel, ce qu'il a gagné avec ses mains. Adam alayhi salam était laboureur. Nuh alayhi salam et Zakaria étaient menuisiers. Idris, il était couturier. Ibrahim était agriculteur. Daoud alayhi salam, il fabriquait les côtes de maïs. Nabi salam, il était berger. Dans Sahih al-Bukhari, le prophète dit لَأَنْ يَحْمِلَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ, que l'un d'entre vous prenne une corde, il escalade la montagne, il ramasse des fagots de bois, et il les vend, est meilleur pour lui que de tendre la main aux gens et de leur demander des aides. Le musulman, il est digne. Le musulman, il est fier. Le musulman, quand il ramène à manger à la maison, quand il a ses enfants, il sait qu'il leur a ramené cette nourriture avec la sueur de son front.
Il a utilisé le corps que Allah lui a donné pour gagner sa vie avec dignité. C'est pas je vis avec les aides ou je vis avec les sadaqas. Je cherche à être autosuffisant parce que Allah il aime voir le serviteur autonome. Inna Allah yuhibbul abd at-taqi. Al-ghani, al-khafi. Al-ghani c'est l'indépendant. Je ne veux pas dépendre d'une créature. Est-ce que, justement, on est habité par ces valeurs-là? Parce qu'on doit être habité par ces valeurs-là. Les gens qu'Allah Azzal a gratifiés par la science et la piété, ils étaient comme ça. Regardez, je vais même vous étonner. Ibn Qayyim, il a un livre qui s'appelle un livre sur la patience. Uddatu Sabirin. Son titre, c'est Uddatu Sabirin. Il dit que la patience, elle peut être obligatoire, recommandée, permise, déconseillée et haram. يَنْطَبِقُ عَلَيْهَا الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ. Quand est-ce que la patience elle est obligatoire? Quand? La patience qu'il faut pour faire la prière. Parce que pour faire cinq prières, il faut de la patience ou pas? Il faut. Cette patience-là, elle est obligatoire. Pour ne pas tomber dans le haram, il faut de la patience ou pas? Cette patience-là, elle est obligatoire. C'est quoi la patience recommandée? Pour faire la sunnah. Pour faire tarawih, il faut de la patience ou pas? Est-ce que cette patience qu'il faut pour faire tarawih, elle est obligatoire ou elle est recommandée? Elle est recommandée parce que tarawih lui-même n'est pas obligatoire. Donc elle est recommandée. Il y a la patience qui est permise. Tu veux faire un footing, tu veux faire du sport, il faut de la patience ou pas? Elle est obligatoire, elle est recommandée, elle est permise. C'est moubah. Et après, il arrive au sabr haram. Quand est-ce que patienter devient interdit? Il dit... As-sabru ala al-mayta. Quelqu'un, on lui propose de la viande haram. Et il n'a pas autre chose que ça. S'il ne mange pas la viande haram, soit le porc, soit la viande qui n'a pas été égorgée, s'il ne mange pas ça, il meurt. Et lui, il dit, moi, je vais patienter, khair, inshallah, je patiente et je ne mange pas. Il dit, c'est haram de patienter. C'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'obligation de sauver sa vie. Parce que parmi maqasid al-sharia, parmi les finalités de la religion, c'est quoi? Hifd al-nafs. Il dit c'est haram de patienter. Il faut qu'il mange pour sauver sa vie. Bi qadri al-darura. Deuxièmement, il dit la mendicité. Mais il y a eu un khilaf. Il dit qala Imam Ahmad non. Pour la mendicité, est-ce qu'il peut mendier? Normalement, oui. La plupart des savants disent oui, il n'y a pas de problème. Mais Ahmad, il a dit non. S'il patiente, ce n'est pas haram pour lui. Pourquoi? Il dit parce que Allah ne va pas laisser un serviteur comme ça. Il y a ni quelqu'un qui renonce de tendre sa main à une créature comme lui. Allah ne va pas le laisser comme ça, il dit. Hadi Imam Ahmad. Il dit Allah ne va pas le laisser. Donc il dit sabr pour lui, laissa haram, il peut patienter et Allah va lui accorder une issue. Et Ahmad, tu lis sa biographie, c'était quelqu'un qui était comme ça. Quand il était au Yémen, il n'avait pas d'argent pour rentrer à Bagdad chez lui. Le grand savant Abdelrazak, le shir chez qui Ahmad était parti pour prendre le hadith, il lui a envoyé une trousse d'or. Il l'a refusé. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait hammal. Il a porté les courses des gens, il allait au marché, il leur dit qui veut lui porter ses courses pour 2 dirhams. Il a travaillé quelques jours comme ça en portant les courses au marché et il a payé son voyage, il est entré à Bagdad. Donc quand il parle, c'est pas que ta théorie comme nous, il a marahimallah. Non, lui, il lit sa tarjama. Quand il est mort, son fils, il n'a même pas trouvé de linceul pour l'enterrer. Et même linceul, il n'y avait pas assez pour enterrer tout son corps. Il a refusé tous les cadeaux des rois, de Ma'moun, du roi Abbaside à l'époque. Un asset. Les gens, subhanallah, regardez comment ils étaient les frères. Sahaba, quand ils ont fait la bay'a pour Salama, bay'a Nabi Salama ala an ya'budullah wa an la yas'al an-nas shay'an. Et qui ne demande rien aux gens. Les tabi'in, ils disaient, on voyait que Sahaba, quand l'un d'entre eux il était sur une monture, quand il faisait tomber la bride de son chameau, tu sais, la corde là, au lieu de dire à quelqu'un de lui ramasser, parce que, non, il descendait lui-même de son chameau, il prenait la bride et. Il remontait sur sa monture. Et il ne voulait même pas s'habituer à demander quoi que ce soit aux gens. C'est pour ça qu'il m'a wardé. Il dit, les gens sont de quatre catégories. Man yu'in wa yasta'in. Il y a celui qui demande de l'aide et celui qui aide. Du donnant-donnant. Ça lui arrive de demander de l'aide, ça lui arrive d'aider. Deuxièmement, il dit, il y a celui, la yu'in wa la yasta'in. Jamais il demande de l'aide à quelqu'un et lui, il aide jamais personne. Il est inexistant, tu vois. Troisièmement, il y a les gratteurs, les profiteurs, celui yasta'in wa la yu'in. Il est pour demander de l'aide, il sait toujours le faire. Mais lui, il n'aide jamais. Il dit quatrièmement, c'est les meilleurs gens.
la prunelle, la crème de la crème. Men yu'in wa la yasta'in. Celui qui aide et il ne demande jamais d'aide. Yani lui pour t'accompagner quelque part, il est là, le premier, hein, je suis là. Mais dès qu'il a besoin d'un service, alors qu'il sait que il a 100 personnes à qui il a rendu service. Normalement, s'il les appelle, il ne devrait pas dire non parce que il y a 100 personnes, il a un répertoire des gens qu'il a sortis de la galère, ils se comptent en centaines. Il pourrait les appeler. Il sait qu'ils vont exécuter parce qu'il leur a été d'une grande utilité, mais il le fait même pas. Hadam la crème de la crème. Nasgay, yani il est sévère envers lui-même. Ya Rabbi nafsou. Il se force à quoi ? À adresser ses demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez ces gens-là, inna Allah yuhibbu al-'abd al-taqi. الخفي الغني صلى الله عليه وسلم منهم الحمد لله رب العالمين